Pascal Affi-Nguessan, homme politique de l'opposition ivoirienne, a été libéré sous contrôle judiciaire. Et c'est avec apaisement et bonheur qu'il retrouve sa famille et ses proches après avoir été arrêté le 9 novembre dernier. Mais beaucoup de soulagement de retrouver les amis, les camarades de lutte, les amis, les connaissances, de retrouver ma famille, et de retrouver la liberté. À la tête d'une faction du Front populaire ivoirien de l'ancien président Laurent Gbagbo, M. Nguessan, 67 ans, a été détenu avec d'autres personnalités de l'opposition après l'élection du 31 octobre. J'espère que dans la droite ligne de la volonté de paix, de stabilité et de réconciliation, tous ces problèmes judiciaires-là pourront trouver des solutions dans les semaines, mois à venir, et que tous les fils et toutes les filles de Côte d'Ivoire se retrouvent pour la réconciliation nationale et pour la démocratie et pour la stabilité politique. Ces personnalités de l'opposition avaient également publié une déclaration proclamant un Conseil national de transition censé remplacer le gouvernement. Tous ces signataires ont ensuite été accusés, entre autres, de complot contre les autorités de l'État.